Jutika Boudin, bonjour. La semaine dernière, on gagne prix avec BSP School, qui est sorti dixième dans Business Plan. Quand on gagne prix là, tu fais à nous pour gagner prix là? Non, pas du tout. C'est une vraie surprise. Tu fais une vraie surprise pour ce matin. Et on travaille bien. Oui, on travaille, mais on pas si expecte déjà. On pas si travaille pour prix là, si Business Plan là, oui, tu es en tête, mais on fait mon mieux. C'était quoi le projet que vous présentez dans la business plan? Il concerne un projet sur le health fitness club. Tout outil fait un équipement, un modèle projet. Nous finançons un équipement, un gym pour faire un exercice, tout ça. Et puis, ici, avec collaboration avec côté de maladie de cœur, de diabète, comment un exercice pour combattre certaines maladies, tout ça, des maladies qui. Et dans mon système qui fait plus beaucoup d'effets. Tu peux choisir un gym à cause de ma maladie là bien, oui, ou bien. Oui, surtout côté de la santé. Surtout le côté de la santé, mon envie, mon projet qui est assez éthique. Côté éthique, et puis pour commencer ma maladie là. Ça projet de concours de business plan, tu fais partie d'une étude dans l'entrepreneuriat. Comment ça m'a étude là avec BSP et toi faire ça business plan là? En fait, mon review tout ça que tu fais avec côté entrepreneur, c'est M. Cham qui t'y présentait. Je t'y relié tout ça qu'il t'y causait, il t'y dit à toi. Et puis, moi, je fais beaucoup de recherches. Recherche sur internet, tout ça, je fais ma recherche. Et puis, je me disais comment. BSP aussi, une succès d'un côté, parce que M. Chamin donne beaucoup d'exemples, comment BSP une succès, tout le côté de l'entrepreneur, tout ça. Qui t'en retenir dans tout ça là? Dans côté. Dans tout, dans sa cour d'entrepreneuriat. Surtout l'importance d'un business plan. Avant, si M. Chamin fait un business, jamais moi tu fais un business plan. Moi tu connais qui était ça, qui fait. Vous avez fait, mais la montre de l'importance, comment vous avez fait planning, qui va nos recherches, qui vous a fait, comment va comme coût énorme, et tout ça là, des bien besoin de plan. Sinon, c'est pas bien possible. Non, ça va expliquer moi, tant toi, mon cause business, pas ton cause business, pas, c'est quoi le business plan en fait? C'est, on va dire, un couple là, surtout un coût. Qui peut être bien avec sa business là. Si on a un business en tête, tout bon côté marketing, côté finance, comment nous pouvons réunir l'argent, tout ça là pour nous guider, quand nous faisons nos profitabilités, tout ça là. Il n'agit qu'à ça dans, il n'agit que figures dans le plan. Non, pas seulement figures, il y a beaucoup d'exemples côté du marketing, comment nous pouvons faire un marketing là, qui va nous moyen, disons, une brochure. Pour internet, il y a un vrai planning pour tout. Ça veut dire un business en entier, c'est pas seulement des chiffres. Les chiffres, oui, il est important, mais c'est le tout. Quand on présente, quand on fait un business plan, tu ne choisis Watts ou tu ne choisis Pestel? Pour qu'on me dise, pour qu'on ait qui te banne force et banne faiblesse dans ton projet. Tous les deux, on choisit. Tous les deux, on fait. Un petit peu le surtout le souhait un petit peu plus le souhait parce que nous avons qui mon man strength weakness qui l'opportunité aussi moi non pour plutôt moi aussi développer un petit disons pour agrandir le projet mais ça c'est vraiment important vous connaissez aussi dans disons quand nous faisons mon business plan quand mon location qui va nous gagner avec ban compétiteur ban disons ban threat que ça peut affecter mon business. Tu n'écoutes le budget, on vient poser la question. Oui. Donc, tu as un business plan là. Que tu vois, tu as pour faire un projet là, M. Sam, je t'ai donné bon, tu poses bon. Moi et toi, m'envoie-toi la banque. Qui te bat un argument que tu peux dire à une banquier avec toute la situation qu'il y a au niveau des mesures budgétaires? Le budget, ça nous cause beaucoup de SME. En fait, pour moi, ben, SME, il fallait une baboune de Maurice. Mais moi, je tiens compte aussi, vu que mon projet est focus sur la santé aussi. Pas seulement le ben, SME, oui, le SME, il y a aussi la santé. Comme on est dans Maurice, il y a beaucoup
Donc, on a un problème de diabète. Quand Maurice, ils font pratiquement le premier dans le monde, mais c'est un chiffre allemand. C'est pour ça que on fait un chiffre plus côté éthique aussi. Donc, tu te sens toi, ma dire, si un jour, l'envie pour toi, dire mon business plan, moi, la SMI Bank, ma SMIDA, ma Rodin, te fait vivre ça projet là avec ce qui te tendait dans le budget là. Oui, oui. Oui, parce que nous devons faire encore plus beaucoup de recherches aussi. Parce que, dépend combien d'années vous faites. Si non, tu te fais, je ne sais pas pour dire, mais pour te faire, mais c'est-à-dire pour trouver ça dans ton quartier, c'est pour 10 ans, 15 ans, c'est pas pour 3 semaines. Oui, oui, bien sûr. Donc, tu pensais que tu as voulu investir dans ton projet personnellement? Il t'en dit que tu es un investisseur, tu fais beaucoup de recherches, tu fais soit, tu fais business, tu fais tout ce qu'il vient faire. Oui, oui. Tu es tout le temps une directrice dans ton gym, tu veux m'asseoir dans ton gym. Oui, enfin, j'espérais. J'espérais, mais on faisait réfléchir à ça. Qu'est-ce qui fait que tu es venu à réfléchir? Parce que, en fait, mon parti dans mon plan pour faire un business. C'est un appel. Tu veux dire, tu donnes une réponse vraiment intéressante. Moi qui me suis beaucoup ban lecture, ban discours, ban concours université sorti dans Londres, puis Singapour, puis dire, ban jeune, pas pense moi je pas rien travail, j'ai besoin de créer pour l'entreprise. Et si ça business plan te fait là, pour faire à ce plan, dire bon, moi je vais au travail, je fais travail, moi on parle du monde, moi tout mon emploi du monde. Est-ce que tu as un mindset là? Oui, oui, surtout si je préfère me faire à CCA, pour me compléter mon papier, mon cas, il n'y a plus beaucoup de knowledge, plus beaucoup de expertise dans tout ça que je peux apprendre, et il peut plus être moi. Dernière question, Jutika. Dans le budget, vous trouvez que le ministère des Finances a envie de reformer ban jeune diplômé chômeur. Dans un crash course, moi je suis un peu des filles. Tu es d'accord avec ça? Peut-être que tu es une chance fille, moi aussi. Non, moi je fais côté finance, comptabilité, et puis maintenant côté ACCA. Mais oui, enfin, je me trouve du côté un training, dit bon, mais il dépend qui peut non. Je ne parle pas exactement dans crash course ça, qui peut non. Bon, si vous voulez, je parle de ce qui peut faire financier pour faire financier. Et ce qui me fait chimie, biologie, sociologie, physiologie, moi, quand je veux le faire, je vais aller vers BPO parce que du monde manquait dans BPO. Tout le monde connaît du monde dans BPO. Manquait dans healthcare aussi, puis vous venez à l'université, dans le tourisme manquait. Mais je pensais pas jeune, tout un camarade qui paye des camarades d'école qui parle, qui pas dans finance et qui pas dans la CCA. Je pourrais aller vers le tourisme, vers le healthcare ou l'ingénierie. Vraiment dépend des conditions qui se permettent dans sa connaissance, c'est un barème de 80 000 euros. Mais il peut dépendre des conditions. Et pour le training, là, comment on peut travailler? Bon, mais question d'une façon, si jamais tu passes dans la finance, là, aujourd'hui tu tiens un diplômé dans une époque qui fillait de société, tu te dis qu'il y a un ça. Tu te fous pour aller, tu te dis bon, j'ai besoin d'un travail, ben, moi change, mon plan de carrière qui m'a timidé, comment tu n'as pas 17 ans, 18 ans? Travail, il y a assez, disons, frustrant, mais mon pensée que oui, pour le travail, capable, tu peux faire ça cool là. Jutika Boudan, merci beaucoup. Tenez tout là.